Mesdames et messieurs, merci d'être ce soir présents avec nous. Je suis ravie au nom du Club 21e siècle de vous recevoir. Votre présence est un signe révélateur de l'importance qu'ont les questions relatives à la diversité et à l'égalité des chances. Une petite équipe de 20 personnes, réunies et emmenées par Hakim El Karoui, a eu l'idée de créer le club 21e siècle avec deux leitmotivs. Le postulat du club, consistant à miser sur les parcours exceptionnels pour montrer aux Français que les couleurs de la diversité sont une richesse pour la France, reste un enjeu de tous les jours. Les représentants de la diversité deviennent ministres, dirigeants de sociétés du CAC 40, journalistes, entrepreneurs. Cette visibilité permet d'inspirer les nouvelles générations qui ne demandent qu'à croire que la société française leur réserve une place aussi légitime que n'importe quel citoyen français. La France a la possibilité et même le devoir d'être audacieuse. Nous savons que vous tous, ici, ce soir, êtes capables d'audace et d'engagement. Nous comptons sur vous pour continuer le travail commencé. Merci infiniment, Najwa, et bravo. Vous le savez, l'actualité est brûlante, mais il tenait à être parmi nous ce soir. Merci d'accueillir le ministre de l'Intérieur, M. Bernard Cazeneuve. Mesdames, Messieurs, je voudrais vous dire le très grand plaisir que j'ai de pouvoir partager ce moment avec vous. Heureux de voir aussi des chefs d'entreprise, des Français de la diversité, des intellectuels, des ministres, des ambassadeurs. Bref, ce que notre pays peut receler de talents, de compétences, ensemble, et dans la République, avec de la diversité, on peut faire une République une et indivisible, forte d'elle-même. Quand la foule du 11 janvier s'est rassemblée dans les rues, la diversité était partout. Elle était dans les regards qui exprimaient des sentiments contrastés. Elle était dans la couleur des foules, dans l'affirmation que nous devons avoir de nos valeurs. Nous devons être suffisamment clairs, suffisamment forts, suffisamment déterminés pour faire en sorte que ces sentiments qui demeurent et qui gagnent finissent par être éradiqués par la richesse, l'audace de la diversité, par la force des valeurs de la République. L'esprit du Club 21e siècle, pour moi, se synthétise bien dans ce qui résume les entretiens de l'excellence, c'est-à-dire le fait de donner à chacun l'estime de soi nécessaire pour pouvoir se projeter. Nous avons été en contact avec beaucoup de jeunes, des jeunes qui considèrent que leur bilinguisme peut être un handicap pour un jury, par exemple, ou pour un recruteur. Ce projet des entretiens de l'excellence qui est monté en charge progressivement, eh bien, je crois que c'est vraiment quelque chose de très important parce que le fait de ne pas envisager l'horizon des possibles pour un jeune aujourd'hui est, je crois, la plus grande injustice. La culture, au même titre que l'éducation, est un élément absolument fondamental pour que chacun des jeunes qui naissent en France se sente la partie d'un tout. Et ce tout, eh bien, c'est notre culture commune, et cette culture, elle n'est pas forcément une culture élitiste, elle doit être une culture que chacun peut s'approprier et que nous devons lui apporter. Faire en sorte aussi que nous puissions travailler sur l'éducation aux médias pour que les images de la diversité ne soient pas forcément des images stéréotypées, qu'elles montrent des exemples de réussite dans lesquels les jeunes puissent se projeter. Faire en sorte que chacun puisse se reconnaître dans le projet républicain de notre pays et que chacun y trouve sa place et s'y sente légitime et aspire au plus haut et au meilleur pour lui-même et puis pour ses enfants ensuite. Merci. Alors, je ne sais pas justement, vous avez été l'instigateur d'une des actions phares du club, ce sont les entretiens de l'excellence. On l'a vu hein, tout à l'heure, ils ont été lancés en 2006. Ils ont permis à 20 000 jeunes de s'informer sur des cursus d'excellence. C'était quoi l'idée de départ et en même temps, quels sont les mécanismes? Les entretiens de l'excellence, c'est d'abord une opération de générosité, de partage entre ceux qui sont déjà dans la vie professionnelle
et avec ceux qui vont rentrer dans la vie professionnelle. Et c'est pour ça que nous avons créé les entretiens de l'excellence, qui consistent à apporter aux jeunes, adolescents, l'accès d'abord à l'information, mais surtout l'accès à une expérience de vie, parce qu'on a envie de partager, comme le ministre l'a souligné tout à l'heure, nos échecs, nos réussites, et surtout de dire que la réussite est possible. Et puis évidemment, l'idée de générer ces entretiens d'excellence dans 15 villes en France. Pas que vous aussi, hein, vous avez beaucoup contribué aux entretiens de l'excellence. Quels sont les enseignements que vous en tirez ? Quand on rencontre ces jeunes dont les classes d'âge sont entre 14 et 17 ans, 18 ans, eh ben quand on leur dit, écoutez, rien ne vous est dû, mais ne vous refusez rien, eh ben ils comprennent extrêmement vite. Le modèle républicain français qui consiste à dire, on va construire une nation non pas faite de juxtaposition de communautés, mais d'interpénétration de peuples, de cultures, pour créer une nation soudée, ambitieuse. Je pense que c'est pas une idée du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle ou du XIXe siècle, c'est l'idée du XXIe siècle. On en profite pour remettre ce qu'on appelle le Trophée 21. C'est la première fois qu'on crée ce genre de prix. L'idée, c'est de récompenser 4 parcours de personnes issues de la diversité. Il y a un trophée donc 21 administration, un parcours dans l'entreprise privée, un parcours entrepreneur, et puis on a aussi marqué un coup de cœur. On va remettre ensemble les tout premiers trophées 21. Dans ces trophées 21, l'idée, c'est de remettre des prix et de saluer surtout des parcours individuels. Déjà, des personnes, pour chaque trophée, nous avons sélectionné 5 candidats. Ensuite, ce qui était intéressant, c'est que nous avions des expériences autour de la table très différentes. Quand on est différent, pour réussir à faire une bonne carrière, il faut être très engagé, plus engagé peut-être que les autres. Et justement, le tout premier lauréat pour ce parcours en entreprise privée, c'est Momar Enger. Je suis arrivé en France pour faire une classe préparatoire. J'ai un parcours qui a commencé chez HP. Et puis alors, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Je venais de passer 2 ans chez HP. Lorsque les gens de Total sont venus me chercher, je travaille ici, en France, j'ai travaillé au Cameroun, j'ai travaillé au Sénégal, j'ai travaillé au Kenya. Et ce soir, je voudrais avoir une pensée, puisque je suis membre du comité directeur, pour Christophe de Margerie, qui m'a fait entrer au comité directeur du groupe. Christophe était un ami. C'était quelqu'un qui croyait profondément dans la diversité. Parce que c'est vrai que le chemin n'a pas toujours été facile et qu'il a fallu, même à Christophe, convaincre un certain nombre de personnes dans l'entreprise que la route qu'il prenait, le chemin qu'il prenait était le bon. Je compte vraiment sur vous, Madame la Ministre. Poussez-les, ils ont besoin d'être poussés. Ne nous laissez pas tout seuls. Et vous aussi, il faut que la société pousse les télévisions et les radios à changer. Je vais bien au-delà de mon devoir de réserve, mais c'est pas grave. Justement, ce parcours d'entre les parcours que vous avez voulu saluer avec cette seconde catégorie parcours dans l'administration, c'est Ali Saïb. Ali Saïb qui nous rejoint sur scène tout de suite. Je ne sais pas quels sont les dénominateurs communs de parcours de réussite qui sont complexes et multiples, mais il y a souvent un dénominateur commun, c'est les rencontres. Et j'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont fait confiance. Et c'est par cette confiance qu'on avance avec des petits pas. Et je suis vraiment ravi que ces petits pas m'aient amené ce soir parmi vous. Et je tenais à remercier les membres du jury, Madame la Ministre, pour la confiance que vous me donnez. Cet entrepreneur, justement, ou cet entrepreneur, je ne sais pas à ce stade, qui est justement lauréat de ce tout premier trophée 21, il s'appelle Jean Chaoui. Prix compte beaucoup pour moi parce que c'est grâce à la diversité que je suis parmi vous ce soir. Je suis syrien d'origine et donc je suis arrivé en France en 2006 et la France m'a accueilli les bras ouverts, m'a offert toutes les chances pour poursuivre mon parcours sur le plan académique et professionnel. Donc je remercie beaucoup les personnes qui m'ont cru, qui m'ont simplifié les démarches pour pouvoir créer l'entreprise. Il n'y a pas en France que des gens qui ne sont pas intéressés par la diversité. Ces étrangers qui sont devenus des Français ont apporté à la France et permis à la France d'être une des plus belles, un des plus beaux lieux du monde,
d'attraction. On va le révéler tous ensemble. Le premier prix coup de cœur des Trophées 21 est remis à Fatoumata Kébé. Je me suis dit quand j'étais petite, plus tard je serai astronome. Donc après le bac scientifique, je suis partie à l'université. Je fais un master de mécanique des fluides. Donc, je suis partie à l'Agence spatiale européenne et à la NASA. Et après, je suis revenue en France, qui est ma terre natale pour moi quand même. Plus jeune, je me disais, purée, je suis noire, c'est dur. Je suis arrivée dans la recherche, je me suis dit, purée, je suis une femme en plus. Et là, maintenant, je me dis, oh, je suis musulmane. Et après, j'ai vu le club du 21e siècle et je me suis dit, bon, je suis pas toute seule. Donc, merci beaucoup. Je vous dois mes meilleurs exemples. À travers vous, c'est le meilleur de la France qu'on aperçoit. Je crois que la notion de diversité est trop figée. Je crois qu'elle est un peu exclusive, comme s'il y avait d'un côté ceux de la diversité et les autres. Et en fait, quand on y réfléchit, on est chacun les étrangers de tous les autres. Je me dis que, en fait, on a quand même encore vraiment beaucoup de travail. Depuis 2012, la diversité a disparu du débat public. Elle a réapparu le 7 janvier et je trouve qu'on a perdu pas mal d'années à ne pas en parler. Parce que par rapport à il y a 10 ans ou il y a 11 ans, on est dans une société où le cloisonnement est très important entre les métiers, entre les professions. Parler de l'avenir aujourd'hui, c'est parler d'un sujet qu'au club, on s'est toujours refusé d'aborder. Ce sujet, c'est la religion, c'est l'islam. Il faut que nous saisissions de ce sujet-là, parce qu'on ne peut plus le laisser d'un côté à des intégristes, à des fous furieux, à des ignorants, de l'autre à des gens qui ont peur. Le discours qu'il y a aujourd'hui sur l'islam, ce discours est devenu une catastrophe, dans un sens comme dans l'autre. Et je me dis que nous, on est assez bien placés pour agir, comme il y a 10 ans, on était assez bien placés pour agir, pour changer la représentation de la diversité et pour essayer de contribuer modestement à faire vivre la France. On ne pouvait pas laisser passer les 10 ans du club 21e siècle sans faire une soirée de gala, pour fêter ça dignement, pour réunir tous ceux qui nous soutiennent depuis 10 ans, réunir les membres, réunir les sponsors, réunir les partenaires. C'était vraiment important et rappeler à quel point la diversité est une chance pour la France, mais rappeler à quel point surtout le sujet doit continuer d'exister.